Voilà, donc je suis en mission actuellement sur France, une mission recommandée par Dieu, le Père, pour l'ouverture d'une église de mes fils spirituels d'ici. C'est ce que je suis en train de faire sur Paris. Bon, là, moi, je fais l'église à Paris, je vis à Lyon. Voilà, donc, je travaille les week-ends sur Paris, vendredi, samedi. Et dimanche, lundi, je vis à Lyon, chez moi. Et donc, sur mon petit moment, quand j'ai pu, par la grâce de Dieu, faire asseoir certaines choses dans l'église, je vais mener un bout de temps pour être en contact avec ceux des divots. Donc, les mardis, mercredis, quand j'ai du temps, je prends les gens. Pour vous dire, ce n'est pas nous qui vous demandons de venir ici divot. C'est vos besoins qui vous envoient ici divot. Voilà, c'est vos activités, c'est votre foi, c'est votre manière de voir les choses pour pouvoir vous aider qui fait que vous venez ici à divot. J'ai un don. Voilà, j'ai un don. Je ne me suis pas levé un matin pour dire je suis prophète traçon. J'ai une vocation de Dieu. J'ai une vocation de Dieu. Et depuis lors, je mène bien mon ministère pour ça. Nos particularités, c'est la description des œuvres de la sorcellerie. Donc, ça veut dire évangéliser et délivrance. Et encore, dévoilement et destruction des œuvres de la sorcellerie. J'ai toujours dit, affaire de sorcellerie, d'abord, dans un premier temps, personne, si tu n'as pas le don de Dieu, tu ne peux pas savoir qui est sorcier et qui n'est pas. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas écrit sur un visage. Tu dis, ah, ma fille, moi, mon fils, je suis sorcier. Tu vas fuir. Si tu es écrit sur le visage, tu vas fuir. Ça fait peur. Voilà, ça fait peur. Personne n'est écrit sur le visage. Mais la sorcellerie, c'est un esprit. Et il est tellement, n'est-ce pas, si tu veux, subtil. Mais, voilà. Donc, on ne peut pas, du coup, d'emblée, voir ça. C'est des dégâts, malheureusement, que ça cause. Et on s'en rend compte plus tard. Et on se pose des questions, ça vient d'où? Or, la chose même est juste prête. C'est ça que la Bible dit que vous aurez pour ennemi les hommes de votre maison. Non, la sorcellerie, même comment on va voir, est d'abord familiale. Voilà, avant de venir d'ailleurs, c'est d'abord familial, ça commence là. Notre combat, ce n'est pas de diviser les gens. Notre combat, c'est de mettre les gens ensemble. Mais en même temps, on engraisse le problème, le problème. Ça dit, c'est ça, c'est là vient le problème. C'est comme la dimanche passée, j'étais à l'église de Paris. Il y avait un petit qui est sénégalais, qui est sorcier. Dans les sorciers, Dieu m'a poussé à lui dire qu'il était sorcier. Voilà, et puis, tac, 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 c'est rentré dans cette voiture. Et puis, nous n'avons plus réglé ça. Voilà, régler ça et c'est passé. Un chien, on l'appelle chien. C'est comme ça. On dit, l'animal, là, c'est chien. Voilà, tout le monde sait que c'est chien. Si tu dis chien et chat, ils vont t'envoyer dans les îles des fous. On dit, toi, il fallait te faire soigner chez les fous parce que tu n'as plus de bonne lucidité, tu ne vois pas clair. Parce que tout le monde sait que lui, il est les chiens. Toi, tu dis qu'il est des chats. Pourquoi? Donc, vous n'avez pas ce pouvoir. C'est pour ça que vous venez. C'est pour ça que quand vous venez, ayez un esprit neutre. C'est-à-dire, quand on vient consulter un prophète, on a un esprit neutre. On se dit, OK, la chose est neutre dans notre tête. OK, on veut comprendre des choses. Alors, donc, le prophète, il a cette capacité. Moi, j'ai un don, j'ai cette capacité. Jette-moi dans un village, tu suis. Et puis, tu dis, on me dit, qui est sorti dans le village? S'ils sont 1000, viens les prendre. C'est mon don. Amen. C'est parce que vous êtes à Dieu, vous êtes en train de regarder derrière, caméra, tout ça. Moi, mon don, là, c'est dans le village. Même moi, dans le village. Et puis, tu dis, paix, quels sont ceux qui sont sorciers dans ce village? 3 jours. Ils vont tous sortir. Même si tu es nourrisson, même si tu es bébé sorcier, tu vois pas. C'est comme ça, c'est mon don. Moi-même, je suis d'abord révolté contre la sorcellerie. Je suis quelqu'un, je ne joue pas sorcier. Je suis amour. Mais sorcellerie, je disais son petit sorcier d'ici là. J'ai dit, toi en terre. Hein. Mais ce qui est en toi, là, ne nous aime pas. L'esprit qui est en toi ne nous aime pas. L'esprit qui est en toi, là, ne nous aime pas. La preuve, c'est que l'esprit qui est en toi, si on va dormir, l'esprit va vouloir nous manger. Je suis en plein culte, je suis en train de faire sa délivrance, et le petit veut me manger. Je dis, mais tu vois, je suis en train de délivrer, mais l'esprit l'a levé le matin, il dit, oui, l'esprit veut que tu manges. Je dis, mais ça y est, c'est plus fort que toi. Donc, quand un esprit est comme ça, là, on ne peut pas cohabiter un sorcier. Je dis, mais tu aimes quoi? Il aime plus. Je dis, mais quelqu'un qui aime plus, du coup. C'est-à-dire, nous qui sommes gros, là, on ne peut pas arrêter. On va toujours manger. Heureusement que Dieu nous protège. Amen. Donc, heureusement que Dieu nous protège. Donc, pendant que toi, tu vois le monsieur, tu le vois un frère, il te voit en gigot, il te voit en bichuit, il veut manger sa sauce tubée, il veut manger la sauce grêle.
il prépare, il fait son marché. Le petit était déjà prêt, il était venu m'attaquer exprès. Mais par amour, nous on est amour, mais on croit à la puissance de Dieu, à la protection de Dieu. Amen. Donc il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, parce que vous n'êtes pas dans le domaine spirituel, qui peut d'abord dans un premier temps vous étonner. C'est tout à fait normal, ça c'est une réaction humaine. Mais à la longue, vous verrez une suite des choses. Donc je vais rentrer tout à l'heure dans les détails de ce que j'ai vu tout de suite. Je vais rentrer dans les détails. J'avais des dossiers qui sont sur la même, mais je vais revenir encore sur le dossier tout à l'heure. Je prends mon temps parce que je me suis bien reposé. Amen. Je devais vous prendre vers 14h, 15h, mais j'étais fatigué. Il fallait que je me repose. Voilà. Parce que je travaille beaucoup le week-end. Donc quand je ne me repose pas, ce n'est pas bon. Ça agisse mon temps. Or, le repos, là, ça donne beaucoup d'énergie. Comme nous, la nuit, on arrive aussi à prier pour nous. Voilà. Comme les liens, ils travaillent la nuit. Nous, on les attaque la nuit. Quand ils décollent leur sous-coeil, on détruit leur sous-coeil. Que vous soyez protégés. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour son serviteur? Amen. Ok, je reviens sur le dossier de la fille à tout de suite. Où sont les sorciers? La vieille sorcière qui a tué. La médecin. Elle l'a tué comme. 803. Ça va? Qui va traduire pour elle? Son fils est là. Oui, c'est lui qui traduit. Ça va? Oui. Non, elle n'a qu'à se mettre devant le vieux. Mets-toi devant. Il faut traduire. La dame qui est juste derrière qui a porté le même pouvoir, c'est moi. Elle quoi? Oui. Elle a quitté Abidjan. Avec qui? Elle a gagné seule. Montre-la. Montre-la. Il faut traduire, c'est peut-être traduire mieux. Tu es venu pour quoi au centre là-bas? Où est là-bas, oui, enfant? C'est là. Non, c'est là. Pas là. C'est moi. C'est qui a le micro? Là-bas. Ah, c'est la vieille. Je suis sorcier, je suis venu pour te délivrer. Non, laisse son fils traduire. Je préfère. C'est ta maman? Oui, oui. Dans le micro. Oui, c'est ma maman. Elle dit quoi? Elle dit qu'elle est sorcière, qu'elle est venue pour qu'elle soit délivrée, pour que Jésus la canne à délivrer. Elle est sûre de ce qu'elle dit là. Il y a un peu de temps. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle est venue pour Jésus. Elle est sûre. Pourquoi elle veut délivrer la sorcellerie? Nous étions au moins de Yoba et nous. Oh, tu m'en es pas. Elle dit que ce n'est pas une bonne chose, c'est pourquoi elle veut qu'on la délivre de la sorcellerie. Mais depuis quand elle est dedans? Elle dit qu'elle est venue, on a bien venu, puis depuis qu'elle est venue. Elle dit que ça vaut au moins 40 ans. Elle dit que ça a dépassé 40 ans? Oui. Quelque chose. Qui l'a donné ça? Il m'a fait bailler. Il dit c'est l'une de ses grandes sœurs. Comment il a donné ça? Il m'a envoyé ça vraiment. Papa, il est là. Il dit c'est dans la nourriture. Et puis il est devenu sorcière. Et puis quoi? Il y a une bailler. Il dit oui. Qu'est-ce qu'elle a fait de la sorcellerie? Il dit quoi? Il s'est encore fait bailler 28 jours. Il va comme ça. Elle dit. Faut parler dans le micro. Bon. Elle dit qu'elle a pris sa semaine pour tuer les gens. Ok. Donc c'est maintenant tu vois que c'est pas bon. Il y a un peu de temps qu'elle va être là. Elle dit oui. C'est maintenant tu vois que c'est pas bon. Donc quand tu tuais avant là, c'était bon. Ben non, quand tu as pas. Et oui, on prévient les gens qui ont combattu les femmes. Donc,
Elle n'a pas dit au départ, c'était bon, mais c'est que ce ménage a vécu vraiment. C'est pas une bonne chose. Elle dit qu'elle n'a pas dit que c'était bon au départ, mais ce ménage comprend que vraiment. La bon, depuis quand elle a compris que c'est pas bon. Je vais m'expliquer. Je vais bien venir croire que c'est pas bon. Je vais bien venir croire. Je vais bien venir croire. Bon, elle dit, quand elle a commencé, elle avait eu. Elle dit, quand elle a eu au moins 4 ans, là, c'est ça, elle a su que c'était pas une bonne chose. Quand elle était dedans, puis elle a fait au moins 4 ans dedans, là, c'est ça, elle a su que c'était pas une bonne chose. Mais pourquoi elle n'a pas quitté? Le jour où elle a su. Il dit, oui, c'est moi, Jason. Je vais expliquer au Jason, n'est-ce pas? Il ne savait pas comment faire pour quitter. Elle m'a dit qu'il voulait qu'on l'appelle. Bon, il y a qui ça? Elle dit quoi? Elle ne savait pas comment faire pour quitter dedans. Elle ne savait pas comment faire? Ouais, comment faire pour pouvoir quitter dans la saucinerie? C'est maintenant là, je suis comment faire? Il me plaît, vas-y, que. Quelle est-ce que tu vois, Vidia ou pas, non? Il dit c'est maintenant il a su que c'est ici on peut venir pour être délivré. C'est ça? Être aussi qu'on peut délivrer quelque chose. Non, c'est pas ça. J'ai dit, elle dit qu'elle est sûre que c'est maintenant qu'elle a su l'endroit où on peut la délivrer. C'est ça. Ok. Ça veut dire qu'elle est sûre que ça a dit bon ici par la grâce de Dieu qu'elle peut délivrer de la sorcellerie, va ça? Oui. Elle est sûre que Divo est fond, elle veut croire au nom de Dieu. Elle dit oui. Elle dit oui. Maintenant, pourquoi tu viens ici et puis tu chies en sorcellerie dans le centre Ougaté? Oui, c'était un bolet, c'est qu'il y avait un bain, je crois qu'il y avait un bain, c'est pas un bain, c'est un bain. Quelque part où tu penses que c'est bon, où on peut t'aider, pourquoi tu ne peux pas venir le centre? Il y a aucun chien. Caca de sorcellerie, caca, mais c'est pas bon. Maintenant, pour sorcier. C'est l'esprit qui l'a poussé à faire ça. Ah bon. L'esprit t'a poussé à faire ça. Tu peux pas maîtriser ton esprit. Je crois que c'est comment. Bon, attends. Faut pas jouer, nous. Tu comprends? Tu comprends? Nous sommes pas attendus. Moi, je pas attendu de plaisanter. Je suis pas là pour plaisanter. Je suis même pas là pour plaisanter. Parce que si tu veux jouer à des gens, faut pas jouer à Dieu. Ici, là, c'est une question de Dieu. Toi, tu kiffes sur toi. Hein? On t'envoie dans un endroit pour te faire délivrer. Et puis toi, tu viens pour chier en sorcellerie. C'était pas pour arranger, c'était pour gâter. Pourquoi tu fais ça? Réponds-moi. C'est pas une question de parole. Tu peux me répondre. Je vais te répondre. Elle dit c'est pour gâter les coins. Pourquoi elle a fait ça? Bon. C'est pour gâter les coins. Toi tu dis c'est bon. Toi tu dis c'est bon. Et puis là où c'est bon, tu viens gâter. Je ne comprends pas. Pardon. Comment tu as fait? Tu m'expliques.
Il dit les femmes sont douze dans le groupe. Et combien de garçons? Huit garçons. Donc le total fait combien? 22. Et le 20? Donc ça fait 20. Hein? Donc ça fait 20, total 20. Ok, 20 personnes. Toi tu joues quel rôle dedans? J'ai tué 803 personnes. 803 personnes. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Et puis, tu manges ça? Il y a un peu qu'on dit. Non, il n'y a pas d'argent. Est-ce que dans ta bouche, il y a d'argent? Non. Non. Mais comment tu manges ça? Elle dit elle mange ce que je suis. Elle mange comme ça. Elle dit notre couleur. Il dit. Faut faire ah. Il dit oui, tu connais. Faut faire une couleur. Elle dit notre couleur. Ah voilà. Maintenant comment tu manges bien? Bon, elle dit quand elle mange, quand elle mange là, et ça c'est quitté. Maintenant tu dis que je suis venu et comprends bien.
T'as la main là-dedans. Oui. Tu croques les autres. Il dit oui. Cancré. Oui, oui. Oui, mon cancré, ma prison. Oui, il m'a les os. Cancré, ça veut dire quoi? Elle dit, il faut lui dire. Il faut dire la vie, c'est que le coquet. Il faut traduire. Il faut bien interpréter. Il faut bien traduire. Tu devais tuer lui la même dans décembre, là, c'était quel jour? Oui. Il m'a. Au moins combien? Ton fils est mort l'année dernière, à quel jour? Le 17 décembre. Le 17 décembre. Tu as tué son fils le 17 décembre, c'est vrai? Il y a combien de gens qui ont fait ça? En gros, il y a un peu plus de gens qui ont fait ça. Oui. Il faut faire une question. Oui, oui. Et donc, toi, le 18, tu voulais le tuer encore? Oui, comment? En gros, il y a un peu plus de gens qui ont fait ça. Il a dit oui. Quelle est l'enfance que tu as envoyé attraper son âme? C'est qui? Quel est l'enfant que tu as envoyé attraper l'âme de ce monsieur? Il est où? Moi, je suis venu attraper. Je suis venu attraper. Elle dit que la personne s'appelle Anne-Marie. Elle a initié tes enfants. Elle a initié les enfants. Oui. Quel est l'enfant elle a envoyé à t'attraper? Elle dit qu'elle s'appelle Anne-Marie. L'enfant s'appelle Anne-Marie. Elle est à Abidjan là-bas. Donc tu devais mourir le 18. Donc au moins, il m'a mourir. Il m'a dit qu'il y a combien de temps? Il m'a dit qu'il y a combien de temps? Je ne sais pas si tu as dit ça. Même il disait qu'il n'aura plus de mort, comme mon petit-fils, mon fils est mort, qu'à ce temps-là, c'était en cachette, que maintenant c'est découvert qu'elle est sorcière, il n'aura plus de mort dans la famille. C'est ce qu'elle disait. Mais la racine, c'est pour nous embrouiller, pour bouffer encore. Tu as école de sorcellerie? Elle dit ses petits-fils, six personnes, c'est ça qu'elle a donné. Ça veut dire que tu n'es pas prêt à changer. Il y a un cas où il y a un cas.
Dieu a changé. Tu sais que tu es une reine sorcière. Non, vous voyez, c'est qu'elle te bat sur le combino. Est-ce que c'est ça, non? Oui. Bravo, d'accord. Tu es un magouilla tête rouge. Tu es un magouilla tête rouge. Ce magouilla tête rouge, là, tu peux mettre dessus ce magouilla là. C'est comme ça que tu prends les enfants. Quand tu les prends, tu montes sur le magouilla, sa tête rouge que tu as. C'est là que tu prends le magouilla là, et tu mets les enfants là sur ce magouilla. Vous partez sous, n'est-ce pas, dans un fromager. Et c'est là-bas qu'il y a ton école de sorcellerie. Bravo. Oui, oui. Et là, on va faire un peu de temps. Ah bon? Il dit que tu es en train de faire un peu de temps. Il y a 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 Oh, quand on a un gangolo. Elle dit, Margoya, où il y a l'ab. Où il y a le fromage là. Fromage là, oui. Tu as initié 12 500 enfants. C'est tellement beaucoup. Ça va dans l'ordre de 12 500 enfants que tu as initié. Il n'y a pas un jour que tu inities. C'est-à-dire, tant que tu ne vois pas, tu inities. Tu as cette facilité là. Quand tu veux aller, quand tu vois même un enfant, tu appelles le magouilla. Tu le programmes plus la nuit, le magouilla, et toi, vous venez le prendre. C'est-à-dire un enfant, plus de 10 personnes, plus d'une centaine, 200, 300 personnes. Puis, ce petit magouilla, tête rouge là, peut monter là-dessus et vous partez. Et c'est cela que je disais tout à l'heure que tu as une corde de sorcellerie dans ton village. Tu as une corde de sorcellerie dans un fromager. Voici ça. Il dit tu as une corde. Il dit non. Voici, tu as une corde de sorcellerie. Donc tu as une école de sorcellerie, c'est ça? Oui, le bail, non, c'est pro. Oui. Donc tu es revenu, on est revenu sur ça maintenant. Tu t'oublies pas de dire non. Imagine, et si ça aussi, parce que tu es loin, elle a bail, c'est pro. Oui, elle est revenue, elle reconnaît. Hein? Oui. Elle est d'accord qu'elle a école de sorcellerie. Et les enfants des gens, vous les gâtez. Les gens, mes mamans, ils ont ça qui dit. C'est pourquoi il dit Dieu n'a quand même libéré et puis il a quitté dans ces gens de trucs. Vos amis ont école d'ingénieurs, Abidjan, grande école. C'est le coup de l'eau, c'est connu partout, les tribus partout dans le monde. Vous servez des sorcelleries, école de ça, et puis enfant des gens, vous mettez dedans, et puis on va manger. Comprenez? Pour mettre l'Afrique en état. Au moment où les gens, l'Europe, les Américains construisent des grandes écoles pour faire avancer, vous, c'est école dans arbre. Dans arbre. Et quelle école? Des sorcelleries. Comment on apprend quelqu'un à aller manger? Comment on apprend à manger tous les gens? Pourquoi tu fais ça? Il y a des gens qui prennent les corps sur la tête. Des gens qui prennent les corps sur la tête. Des gens qui prennent les corps sur la tête. Ils sont à l'école. Ils ne sont pas les corps sur la tête. Il y a un pas Christ, vraiment. Ils ont dit, oh, c'était un Yézo. Mais moi, ils sont pas de maman. Non, il y a un D'accord. Elle dit, ouais, dit que vraiment, là-bas, là, ce qu'elle a fait là, c'est pas bien. C'est que c'est dit que vraiment, Dieu n'a qu'à arriver, elle va quitter dedans. Hein? Elle dit que vraiment, c'est pourquoi elle demande que vraiment, ils n'ont qu'à prier pour elle. Et puis. Bon, tu veux qu'on prie pour toi. Tu es venu faire Bounini là. La carte de sorcellerie, tu es venu que ça ici. Il y a un bali, non, mais il y a un cérémonie. Pourquoi un bali? Il y a ça qui est fait. Pardon, mais là, c'est la bagage.
Tu aimes quel morceau de viande de l'homme? Quelle partie tu aimes manger? Et tu veux qu'on te délivre? Il y a qui n'est que des yonu. Moi, des yonu, nous n'avons pas quitté tes yonu. Oui, il veut qu'on me délivre. Pour arrêter de faire du bien manger, il faut qu'on te délivre. Tu es fatigué de faire ça? Il m'a fait, a fait ça du mal et tu vas. Oui. Qu'est-ce que tu n'as pas encore dit que tu as envie de dire pour conclure pour toi? Oui, oui. Oba, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Le problème est là. Mais il n'y a pas de mariné. Mais qu'on sera. J'ai tué, comment on appelle? Combien? Il faut La personne qu'elle a tuée premièrement là s'appelle Nzikwasi et s'est transformé serpent pour aller le tuer. Non, peut-être que tu as mal traduit. J'ai dit, jusqu'à maintenant, là, on a dit beaucoup de choses. Mm. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit? Voilà. Il y a dit, quand il parle, il faut faire du anengo. Il y a quand même pas. Elle dit, bon, c'est qu'elle n'a pas encore dit là. Quand on tue les gens, elle prend la tête pour aller. Le crâne. Bon, le crâne. Pour aller sous l'eau, pour aller donner Mami Wata. Et puis elle a. Bon. Son siège. Ouais, son siège aussi encore dans, sous l'eau là-bas. C'est comme dire, la chaise royale. C'est fait en crâne d'homme. Ah, c'est fait en crâne d'homme. Hein? Sa siège royale sous l'eau là. C'est fait en crâne d'homme. C'est fait en crâne. C'est pied là. C'est pied là. Ce sont les crânes d'hommes qu'elle a pris pour faire. Ah, et ça, ça soit dessus. Elle a un autre royaume sous la mer. Oui, avec Mami Matala. Oui. Donc, c'est lui les crânes. C'est-à-dire qu'elle vient manger les crânes. Oui. Voilà. C'est ce qu'elle fait pour faire les piliers, l'espoir de son culture royale. Sa chaise royale. Mm-hmm. Elle dit que, bon, on apprend aussi pour aller au Burkina pour aller tuer les gens. Ouais.
On la loupe alors pour qu'il aille tuer les gens. Mais faut que Oui. On met loup pour aller au Burkina pour tirer là-bas. Et toi-même, tu as fini ça. Quand tu vas les tuer. Et ça, maman, c'est pourquoi elle veut qu'on prie pour elle, pour qu'elle quitte dedans, pour que vraiment, elle sait qu'elle a fait trop du mal. Donc, pour qu'on prie pour qu'elle puisse quitter dedans. Ah, vous l'associez. Est-ce que ce que tu viens de dire là, c'est quelque chose qu'on a mis dans ta bouche ou bien ça vient de toi? Non, 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 moi-même, c'est moi-même, et c'est pas quelqu'un qui m'a dit. Et pas quelqu'un qui a mis dans ma bouche, mais c'est moi-même qui suis en train de dire. D'accord. Elle dit, quand ils sont dans le monde là-bas, elle mettait la loi là-bas pour dire que la personne qu'on t'attrape, pour pas tu vas dénoncer les gens là-bas. Donc, quand elle aussi, elle a été dévoilée, ces gens qui sont là-bas, là, il n'y a pas quelqu'un qui la soutenait. Donc, c'est pourquoi elle vient pour que vraiment, c'est Dieu seul qui peut la délivrer dans ça pour qu'elle soit sauvée. Tu fais quoi de tes seins là-bas? Excusez-moi, je vais voir un sujet. Tu n'as pas dit ça, tes seins là. Et tu fais quoi ça? Elle dit qu'elle est en train de voir, elle n'a pas encore vu. C'est qu'elle prend sein là pour faire. Oh. Elle est en train de... Tu prends ton sein là, le sein que tu as là, c'est ça que tu mets dans les yeux des enfants pour qu'ils voient. Tu vois, on y offre un pour les enfants. C'est pourquoi elle dit qu'elle ne va pas qu'elle n'a qu'à vraiment l'aider pour ça. Non, non, mais c'est un moins fait là-bas. C'est un moins fait sur ce que j'ai dit. Au moins, il y a un peu de temps. C'est un moins fait sur ce que j'ai dit. Faut pas me dire. Non, non, non. Faut pas m'emmerder. Tu es venu te faire délivrer. Tu dis ce que tu fais, on te délivre. C'est pas à moi de parler. C'est pas à moi que tu fais ta sorcellerie. Moi, je viens juste t'aider. C'est pas à moi que tu manges. Il y a une famille, la fierté de ses enfants. On vous met en fait des sorcelleries. Bon, c'est une maladie. Mais pourquoi vous cacher? Parce que si j'ai dit, ils vont me tuer. Bon, c'est pas une bonne raison valable. Tu dis pas, tu tues. Toi, tu as peur de mourir. Or, tu fais des dégâts. Encore le con, tu vas initier les enfants à la sorcellerie. Encore grave. Tout ça normal. Il veut nous gagner. Nous sommes côté quoi, côté n'importe quoi. Y a moi, c'est moi qui a ou nous non non au chat pas. Y a maman des demi. Lève-toi. Grâce. Grâce. On lui dit à la cali Seigneur Jésus. Il veut c'est que Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. Anenga. Anenga. Je t'accepte. Nous sommes nous. Comme mon sauveur.
Kemi defwesa. Pardon tous mes péchés. Yakinten kraken. Lave-moi avec ton sang. Famille, formo gafan zimi. Et guéris-moi de l'esprit de la sorcellerie. Yimi bayenu. Amen. Amen. L'esprit, elle est où? Elle dit, c'est plus. L'esprit, elle est où? Elle dit, l'esprit est dans sa tête. C'est dans ta tête. Et ça fait comment? Elle dit, ça est dans sa tête, puis ça la brûle. Dans la tête. Ça brûle comment? Il dit, ça la brûle comme s'ils ont mis piment dedans. Et puis c'est pour faire quoi après? Ça brûle là, ça fait comme si c'est quelque chose qui est en train de quitter d'une manière. Elle vient d'où? Elle est quittée où? C'est quel village? On vient de Mayakro. Ok. Je constate qu'elle a mis, elle a positionné l'endroit où elle est quittée dans son ventre. Elle s'est déplacée avec l'endroit. Demande-lui. Yo. Quand pas elle fait quoi, pas parler, on fait le, le coup de parler. N'yo. Quoi? Quand elle finit, on peut pas. Yo. Elle dit c'est ça. Mais pourquoi tu n'as pas dit ça? Il m'a écrit un magasin de sorbonne. Yo, c'est quoi comment? Elle avait oublié. Et que la nuit, elle devient grosse, c'est ça? Oui. Juste le micro. Et pendant que je parle, tu te transformes en serpent. Mais en même temps, le ventre, la partie de ton ventre, je voyais un village là, de la partie de ton ventre. Mets ta main sur ton ventre. Il faut s'en surprendre. Maintenant, toi-même parle. Il faut dire ce que tu as fait et puis ordonne ce que tu as mis dans ton ventre là de partir. Tu te débarrasses de ça. Le village s'appelle Kongoji. Quand je venais là, c'est ça, il est mis dans mon ventre. Donc, j'ai dit, Dieu n'a qu'à me délivrer. Donc, il n'a qu'à sortir pour partir. Hein? Donc, le village n'a qu'à sortir pour partir. Il faut dire dans son pied gauche. Pendant qu'il s'entend de prier dans son pied gauche, elle a une arme. Et son orteil devient comme un couteau. C'est ça? L'esprit te quittera lorsque tu accepteras que l'esprit parte. Tu avais gardé un élément très important, on ne pouvait pas te délivrer avec ça. Le problème que tu avais envoyé le village, là où tu es dans le banc, ce serait difficile.
Il a fallu que Dieu me montre ça. Ok, ça c'est déjà un. De deux, il y a une arme très puissante. C'est-à-dire, dans ton pied gauche, ton pied devient comme une arme. Et quand tu t'envoies dans la maison de la personne, c'est ce pied-là que tu prends pour égorger les gens. Et ça, tu ne l'as même pas dit, tu étais là. Et pendant qu'il t'entend de parler, prier, ton pied s'est transformé à ce couteau. Tu vois, donc ça veut dire qu'il y a des parties importantes de la délivrance que tu n'oses pas dire. Et c'est difficile. Que l'esprit quitte ton corps. Quand tu dis pas, il sera difficile que le démon il parte de ta vie. Pratiquement une heure, j'ai pris le temps de t'écouter. J'ai commencé à clasher la délivrance. Et quand on clashe la délivrance, les esprits là, avant de partir, Jésus à un moment il a demandé, il dit quel est ton nom? Il dit mon nom est Légion. Il y a des esprits, il y a des catégories d'esprits. Tant que toi-même, tu ne me mets pas en nul, il sera difficile. On a l'impression qu'elle-même, elle ne veut pas quitter sa confrérie. Tu comprends? Donc, il y a des petits éléments qu'elle n'ose pas dire. Et ça la mettait dans un état où le démon ne veut plus partir de son corps. Ça fait pratiquement une heure que je suis avec elle.